Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une bonne heure. Et je vais surtout être accompagné aujourd'hui de Monsieur Richard Maillot. Je fais des petits tests de réglage, histoire d'être sûr d'avoir tout le monde et que tout le monde soit bien avec nous. Je tiens à remercier Stéphane Baril, Alexandre Becquet et Jean-Loup Fuss de faire la modération pour nous ce jour, et on va essayer d'avancer un petit peu tranquillement sur le partage. Donc, dans un premier temps, je vais faire apparaître Richard, hop, ici dans un petit coin aujourd'hui. Hop, salut Richard, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc Je sais pas si vous voyez ou si vous voyez mon écran, je sais pas lequel des deux vous pour voyez. l'instant, on Il y a voit ta peut-être tête. deux. Pour l'instant, on voit ta tête D'accord. principalement. T'es encore en tout petit. Je vais essayer de faire un petit réglage pour qu'on te voie en très grand, parce que tu le mérites quand même. Parce que tu Peut-être le. pas. Si, Enfin, je si, t'assure. pour montrer que j'ai un beau t-shirt. Voilà, Ah, on peut faire ça. peut-être. Bonjour du coup à ceux qui nous rejoignent pour le live. Bonjour à ceux qui sont Bonjour à arrivés un tous. peu plus tôt. Ouais, merci, merci Richard. Je te mets quelques secondes en plus grand parce que c'est pas forcément facile. Check. Et puis une fois que je t'ai posé en plus grand, je vais recadrer un peu sinon on voit plus rien du tout. Check. Et check. Voilà. Comme ça, on va être plutôt pas mal. Et nous y voilà. Nous y voilà. Et comme ça, tu es là. Et moi aussi. Check. Allez. Et tu vois aussi mon écran ordinateur. Et on Je va sais pas voir si tout ton le monde écran voit bien. d'ordinateur dans quelques instants. Pour l'instant, il a décidé de ne pas le partager. Je pense qu'il doit être fâché par rapport à ce que je lui ai demandé tout à l'heure. Mais on va essayer de retrouver ça. Donc je vois que tout le monde est là, tout le monde est présent sur le chat. Merci aux uns et aux autres d'être présents avec nous. Merci pour votre patience. On est en train de faire des tests avec des tas de logiciels rigolos et très différents de ce qu'on fait d'habitude. Mais c'est pas très grave, on va y arriver quand même. On va réussir à faire un truc plutôt cool pour tout le monde et qui va nous permettre eh bien, de retrouver en fait de retrouver ce qu'on peut faire avec Richard. Ben, j'ai renvoyé le partage d'écran. T'as renvoyé le partage d'écran, tout va bien, je vois cette île. De ton côté, je vois l'île. De mon côté, je ne vois pas du tout l'île. Du coup, je vais en créer une nouvelle. Hop. Partage d'écran, fenêtre, stick. On va l'appeler ZG2. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore nos sessions YouTube, bienvenue donc sur la chaîne YouTube Adobe France, sur laquelle on va bien tranquillement découvrir un petit peu eh bien, des nouveaux outils, des nouveaux utilisateurs avec lesquels on va travailler. Aujourd'hui, donc j'ai la chance de pouvoir accueillir Richard, que je connais depuis un certain temps, puisqu'il il participe avec notre équipe au InDesign User Group, qui ont lieu sur Paris. Très régulièrement. Et Richard est spécialiste de production puisque tu as démarré dans la 2D, entre la 2D et la 3D, et Ouais. tu es aujourd'hui principalement formateur ou tu travailles en production? Alors, ah non, je fais de la production à côté, hein. C'est un peu la condition sine qua non de mon activité, hein. Je pourrais pas être formateur si je produisais pas. Même si c'est vrai que je commence enfin, j'ai même glissé depuis très longtemps, sur la production vidéo, la 3D, les effets spéciaux et le compositing. Mais je suis encore accroché au pré-press parce que j'aime ça et parce qu'il y a des missions très spécifiques. Qui me sont demandés. Donc, ma foi, je retourne au pré-press avec grand plaisir. Voilà. Très bien, très bien. Pour les uns les autres, est-ce que vous nous entendez correctement? Je vois que ça discute pas mal dans le chat. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu tout ce petit monde-là. Ce que je vais faire avec Richard, si tu veux poursuivre, eh bien, c'est que je vais partager ton écran. OK. Et je vais te remettre en tout petit dans un coin et moi à côté, et comme Mieux. ça, on sera lancé. Check. C'est parti. C'est parti. On est chez toi et on voit ton écran. Et on voit une magnifique île, l'île de Catalina, Ouais. accessoirement. Bah, je vais présenter un peu ce qu'on va faire pendant une petite heure, sans aucune prétention. L'idée, elle est vraiment de montrer moi ce que j'utilise dans mes flux, sans aller chercher très loin. C'est un peu
c'est pas du très haut niveau. Non, l'idée, c'est vraiment de proposer à tout le monde des petites idées, de choses qui nous permettent de travailler plus vite, plus confortablement aussi lorsqu'on est à distance. Alors, bien sûr, l'épisode que l'on vit tous en ce moment est un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est de continuer à être performant, efficace, et puis vraiment d'apporter un appui réel en travaillant à la maison. Donc moi, je vous montre un peu comment moi je travaille. Hein. C'est plus des suggestions, des propositions d'idées. Et puis, chacun prendra un tout petit peu ce qui l'intéresse. Et puis, je suis bien sûr ouvert aux questions s'il y a besoin. En tout cas, j'espère que tout le monde m'entend correctement et que tout le monde voit mon écran. Par où commencer? Bah, déjà, la machine. C'est vrai que moi, je travaille avec un MacBook Pro quasiment tous les jours parce que c'est mon outil lorsque je me déplace. Un MacBook Pro pas forcément très puissant, mais c'est vrai que le minimum vital, hein, c'est ce que j'ai ici, j'ai 16 gigas de RAM. C'est même un petit peu juste, hein. Je dirais presque parfois les 32 gigas ne sont pas inintéressants. Donc malheureusement, on ne peut pas changer facilement la RAM sur un portable Mac. Mais il faut savoir qu'en effet, bah oui, les nouveaux Mac étant arrivés, les fameux 16 pouces changent un peu la donne. Au niveau PC, c'est vrai que c'est un petit peu différent. J'ai eu la chance de tester des PC Razer qui sont très puissants. Mais qui chauffe beaucoup, donc et puis auquel on ne trouve pas encore le confort que l'on a sur le Mac. Donc j'ai pas une machine mirobolante, même si à côté je travaille avec un Mac Pro, vous savez la fameuse râpe. Mais voilà, je suis très content en tout cas de travailler à la maison avec ce portable que j'ai couplé avec une carte graphique et ça change pas mal les choses. Une carte graphique, vous savez la Blackmagic, qui me permet de me faire gagner beaucoup de temps quand j'utilise des applications gourmandes et ça va être le cas ici. Où je vais utiliser du Photoshop, du Illustrator, du InDesign en même temps, même du Bridge. Et il faut savoir qu'en fait, les previews vont aller plus vite parce que c'est ma carte graphique externe, mon GPU, qui va soulager le processeur. Donc, et même la carte graphique interne de la machine, qui évite qu'elle chauffe énormément et qui me permet de travailler plus vite. Donc, ça, c'est le petit point sur la machine. Il est évident, pardon, que l'optimisation des fichiers, l'organisation des fichiers va aider énormément. Donc, pour travailler à distance, ce que je préconise beaucoup, c'est ce que je vais vous montrer ici, c'est de ranger. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire que c'est être un tout petit peu psychorigide, certes, mais c'est indispensable pour pouvoir travailler. Ici, je suis sur la Creative Cloud et je vais vous montrer, par exemple, la classification d'un des fichiers de prod. Et quand je regarde un tout petit peu ce qui se passe en PC 1702, eh ben, on voit que les fichiers sont structurés avec des numéros, mais je pense que tout le monde utilise ces techniques-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est Et c'est ce que j'explique souvent, c'est de penser à mettre l'année, le mois et le jour, et pas l'inverse, hein, pour que le tri se fasse de manière plus performante. Et puis après, les choses se trient assez vite. Hein. Mais alors, je viens pourquoi tout en majuscule? Tout simplement parce que la société pour laquelle je travaillais ici demandait à ce que les noms de fichiers soient en majuscule parce qu'ils utilisent des PC. Mais ça ne pose bien évidemment aucun problème de compatibilité. Et du Je coup, vais continuer tranquillement. c'est un échange que vous avez eu avec la société en question, ou c'est toi qui a proposé Et de non, travailler sur les c'est bien majuscules? la société en question qui a demandé à ce que les noms de fichiers soient en majuscules et on a réorganisé les noms de fichiers pour que on soit sûr. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vraiment un travail important quand on est à distance, quand on travaille à la maison. Même en tant que freelance, c'est de essayer de, j'aime pas prendre ce terme parce que ça fait un petit peu le dictateur, mais d'éduquer son client. Ça veut dire vraiment lui dire, maintenant, votre système d'appellation, vos nomenclatures de fichiers ne sont vraiment pas cohérentes et on ne va pas s'y retrouver, surtout quand on va travailler à distance. Et on ne peut pas appeler toutes les 5 minutes les intervenants pour regarder ce qui se passe avec les fichiers. Donc c'est vrai que c'est une vraie éducation du client. Mais ça évolue, hein. Les mentalités évoluent. Et vraiment, peu à peu, on voit qu'on arrive à imposer une certaine, structure de travail et que on arrive à trouver notre compte, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord sur une nomenclature commune qui correspond aux contraintes de production et d'appellation qu'il y a dans les sociétés et la contrainte de travail pour nous pour pouvoir s'y retrouver en fait, tout simplement. D'accord. Bon, bah, je te laisse avancer. Merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce qui pourrait être important? Alors oui, les écrans. Alors moi, je travaille avec deux écrans, des fois trois, et souvent on n'a pas l'écran top qualité. C'est vrai, c'est sûr, c'est pas évident. Mais il y a une première chose à faire et j'invite vraiment, c'est toujours assez surpris de voir que ça n'est pas forcément fait, c'est que quand on commence à travailler, la première chose à faire, c'est de régler tout simplement les profils que l'on a dans notre fichier. Si je vais ici dans Photoshop, dans l'édition couleur, je vais voir par exemple, et c'est le cas ici, que j'ai mon espace de travail qui est en sRGB. Alors ça n'a rien à voir avec mon écran, on est bien d'accord, mon écran ici, c'est un display Apple.
Et ouais, la preuve, c'est qu'ils ne trouvent même pas la référence de cet écran. Mais par contre, je suis en sRGB. Alors, bien sûr, là, ils m'ont créé Arro, attention, c'est une catastrophe. Pourquoi on est en sRGB, sachant que les images sont en très bonne qualité? Alors, je vais être un petit peu désagréable parce que la plupart des images venant, par exemple, de Adobe Stock sont en sRGB. Donc, si néanmoins on veut pouvoir travailler correctement sur son ordinateur, même si on n'a pas le meilleur écran du monde, bah, il est bon de synchroniser ses applications. Donc, par exemple, ici, je vais créer un profil spécifique. Je vais demander à travailler en Adobe RGB, qui est la gamme la plus large correspondant à la vision de l'être humain, en isocotète V2. Alors, ici, c'est vrai que j'ai chargé un profil CMJN, qui est le isocotète, que je vais récupérer ici. Je ne sais pas si je ne vais pas l'avoir. ISO. Hop, je vais mettre plutôt Coted. Est-ce qu'il va me trouver? Voilà, j'en ai plusieurs ici. Je pourrais chercher celui-ci, par exemple, allez, hop, ouvrir. Et comme ça, j'ai mon profil qui aurait pu être fourni d'ailleurs par l'imprimeur. Alors, j'entends déjà des voix s'élever certainement dans le chat qui vont dire oui, mais c'est pas la dernière norme à jour. Alors, c'est vrai que la norme à jour, c'est la norme ISO 12647-2 de 2013. Il y a eu une modification concernant les papiers Azure. Voilà, pour les puristes. Alors, je vous rassure quand même, ça ne change pas grand-chose. À 0,02%, ça ne change quasiment pas le gamut. Donc, quoi qu'il en soit, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Et si vous êtes en effet en niveau côté de V2, 300% d'ancrage, parce que ça peut varier, ça ne pose pas de problème. Hein, qui dit, oui, mais pourquoi on n'est pas en faux gras 39? Alors, on pourrait être en faux gras 39, qui est très, très bien. La seule différence, c'est le taux d'ancrage. En faux gras 39, vous êtes à 320, vous n'êtes pas à 300. C'est tout. Donc, c'est vrai que si on travaille en CMJN, bah, ce profil-là, en l'occurrence CMJN, fonctionne beaucoup mieux. Voilà. S'il a du mal à le trouver, on pourra le partager sans aucun problème. C'est simple. Pas d'autre chose à gérer concernant le gamma, etc. Et je vais enregistrer ce réglage que je vais appeler ici tout simplement, Adobe RM, comme ça sera facile à trouver. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, par exemple, je sais pas où nous sommes, donc le 24, donc je vais mettre avec le 0324, ça ira très bien. Et en fait, ça coûte pas grand chose de faire ça. Ça prend quelques instants et l'intérêt, c'est de synchroniser nos applications qu'on ait le même système de profil pour Illustrator, InDesign, donc ça coûte rien. Mais c'est ce qu'on fait pas à la maison. On oublie souvent de le faire. Donc là, je vais faire OK. Et vous savez peut-être que dans Bridge, petite révision, dans édition ici, paramètres de couleur, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, je vais aller chercher mon profil. Je sais pas si je vais le voir tout de suite. Si l'un qui le voit, il me dit. Ah, il est là. Et donc, je veux dire que je dois appliquer ce profil à l'ensemble du système. Donc, ici, on va fermer tout ça. Et donc, l'intérêt, c'est que, même Photoshop devrait être au courant, on va vérifier. Alors, voilà, je suis bien synchronisé. Mes applications sont synchronisées. Donc, ce que je vais voir dans Photoshop sera cohérent avec InDesign et autres. Donc, alors, bien sûr, ce n'est pas tout le temps le cas, mais voilà, ça ne coûte rien de le faire et ça permet de travailler avec un espace colorimétrique synchronisé entre les diverses applications. Et c'est tout de même plus cohérent au niveau du travail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Pas grand chose d'autre. Moi, ce que j'utilise beaucoup, bien évidemment, c'est ici le dossier Creative Cloud File. C'est là-dessus que je travaille principalement tout ce qui est pré-presse. Ça marche plutôt bien. On peut partager facilement des dossiers. Hein, vous voyez qu'il y a quelques-uns qui sont partagés. On peut, bien évidemment, stocker des données, récupérer des fichiers. C'est assez performant. Et ça, c'est vraiment ce que j'utilise assez souvent, en plus des bibliothèques. Là où j'insiste un tout petit peu, c'est de ne pas confondre, en fait, il y a plein qui confondent, en fait, les bibliothèques avec les fichiers cloud. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord. Les bibliothèques, c'est des éléments graphiques que l'on va, ou des polices, ou des styles, etc., que l'on va pouvoir mettre dans une sorte d'espace un peu virtuel, que l'on va pouvoir rapidement récupérer sur les différentes applications. Alors que, par contre, le Creative Cloud File, hein, c'est plus ni moins qu'un véritable cloud, hein, comme on peut trouver des Dropbox, des OneDrive et autres. Voilà. Bien évidemment, Franck, tu me reprends si je disais une petite bêtise, hein, surtout. Non, écoute, jusqu'ici tout va bien. Je pense que dans le public ça suit aussi, ou en tout cas j'ai pas eu trop de gens qui m'ont dit qu'ils avaient décroché. On est en train d'échanger aussi en parallèle sur les dans le public, sur les différents écrans, les différentes calibrations, tout doucement. Voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui nous suivent, vous avez le chat, si vous avez une question, c'est le moment. Richard est là et je peux l'interrompre à tout moment. Exactement. Donc, je vais passer maintenant un petit coup sur Photoshop. Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner du temps dans Photoshop? Alors, il y a plein de débats qui sont assez importants, savoir si on pourrait faire ceci, on pourrait faire cela. Déjà, première chose,
que j'explique souvent. Je vais aller dans Photoshop ici. Je vais ouvrir un premier visuel. Je vais le trouver. Je vais ouvrir ici un premier visuel en tiche, qui est une image qui vient de chez Adobe. Très bien. Je vois bien. Alors, petit détail, moi je le vois parce que j'ai mon truc. Voilà, donc je vois une étoile, d'accord, très bien. Jusque-là, tout va bien. Ah, je vais enlever ça. Voilà, j'ai mon petit profil document. Il est en quoi? Il est en sRGB, ce document. Bon, tiens, surprenant, c'est la Madame Stock, mais non, ça ne pose pas de problème qu'il soit en sRGB, après tout, ça ne pose pas de problème. Et souvent, on se dit, oui, mais si je travaille avec du TIFF, c'est pas de la qualité, donc forcément, ça fait des poids de fichiers lorsqu'on va faire l'assemblage qui vont être très lourds, par exemple dans InDesign, ou si j'envoie des images, ça va être extrêmement lourd. Alors, oui, on pourrait discuter très longtemps sur la compression de JPEG. Certes, la compression de JPEG a tendance à légèrement altérer une image, mais toute une histoire de quantité, en fait. Si on enregistre 2-3 fois l'image JPEG, la perte, elle est plus que négligeable. J'ai fait le petit test ici, en ouvrant tout simplement une image différente, hein, celle-ci, la compression JPEG. Voilà, je préfère le profil incorporé, pas de souci. Je vais la prendre, la mettre sur l'autre. Voilà. Hop, je vais dans mes calques et je vais la mettre en différence pour voir si je vois ne serait-ce qu'une toute petite différence. Et je pourrais m'énerver, hein, c'est pas mon écran, même en m'énervant pendant 2 heures, il n'y aura aucune différence. Et pourtant, je l'ai enregistré, je fais compte, 120 fois en JPEG, en mettant une qualité volontairement de 10 et non pas de 12. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a fini une correction, halte à la légende urbaine qui dit que « Ouais, mais JPEG, c'est pas bien. » Ben non, si vous ne réenregistrez pas l'image derrière, gagnez du temps, gagnez du poids de fichier. Le JPEG ne pose aucun souci. Il est vrai que si j'enregistre 20 fois, 30 fois, 40 fois en altérant la qualité, c'est dans une qualité par exemple de 9, de 8, de 7, oui, je vais commencer à perdre violemment des informations. Mais sinon, ça ne pose pas de problème. En fait, la bonne question, c'est pas de savoir si on compresse beaucoup, pas beaucoup en JPEG ou si on a perdu de la qualité. L'importance, c'est en fait la quantité de détails. S'il y a en effet beaucoup de détails dans l'image, on risque de voir des artefacts de compression. Si maintenant, sur une image assez simple, ce site assez complexe, on voit bien qu'il y a refait, etc. Si l'image est assez complexe, par contre, en effet, il faut privilégier en effet du TIFF, du PSD, le PSD qui est très très bien hein, d'ailleurs. Mais dès que je peux et que mes fichiers sont finis, j'essaie de passer en JPEG pour stocker hein, tout simplement mes images retouchées. Voilà. Après, je vous laisse ouvert à la discussion, bien sûr, mais c'est ce que je fais pour gagner un petit peu de temps d'envoi de fichiers. Ça veut dire que ça peut être trop lourd. Hein. De la même manière, à chaque fois que je vais mettre ces images-là dans mon cloud, ça va prendre du temps à chaque fois d'accéder à mes fichiers. Donc, j'ai tendance à dire, oui, si je suis en JPEG, ça ira plus vite. Surtout que quand les débits descendent, on ne peut pas toujours attendre que les images arrivent. Je ne sais pas si comment ça réagit au niveau du chat, parce que je ne vois pas, mais Franck, je vais te dire s'il y a le moindre souci. Tout va bien. D'accord. Autre petite subtilité, le gros débat entre CMJN et RGB. Je vous dirais qu'on ne va pas faire un débat pendant très longtemps. Moi, j'ai tendance à travailler en RGB, ce qui pose aucun souci après pour la partie pré-presse. J'ai même tendance à dire parfois qu'on peut feinter. Alors, ce n'est pas bien ce que je vais faire, mais je vais vous montrer quand même. C'est que j'ai peur de taper dessus. Hop, on va prendre un visuel quelconque. Allez, hop, c'est une visuel rouge. Voilà. Je sais que c'est une image qui, par exemple, va couvrir un bloc de 10 cm. Pas la peine de m'énerver pendant très longtemps. Ce que je vais faire, c'est changer la taille de l'image et je vais dire, oui, j'ai pas besoin de 6000 pixels. Je vais gagner du temps. Je veux pas avoir des fichiers aussi lourds à envoyer des fois en étant un petit peu à distance. Et ce que je vais faire, c'est faire un petit calcul. Je sais que, grosso modo, 120 pixels par centimètre, c'est mon ratio. Donc, si je veux 10 cm, il faut j'ai mon petit calcul, oulala, 1200 pixels, oui, ça suffira. Et en effet, même si c'est à 300 ici pixels par pouce, je vois bien que 1200 pixels suffit largement. Vous allez me dire, mais l'autre image, oui, mais l'autre image, on va la garder en stock, surtout que bon, c'est une adapt stock, donc je pourrais la garder, bien évidemment. Mais au moins, ici, je travaille avec une image qui est à la bonne taille, pas de souci. Et puis l'autre chose qui m'intéresse, c'est qu'on me dit, ouais, mais il faut absolument envoyer du CMG à l'imprimeur. Ah oui, mais tout le travail de retouche, il y a, bien sûr, on pourrait la passer en CMJN, on n'en parle plus. Mais moi, j'ai pas envie de me retrouver avec 15, 20, 30 fichiers différents, un fichier en RGB, un fichier petit, un fichier en CMJN, un fichier ceci, un fichier cela. Ou ce que je fais souvent,
Si je garde cette image pour RTB, je vais travailler dessus pour faire, par exemple, je ne sais pas que sais-je, un changement au niveau de mes niveaux, c'est pas très bon. Alors, on n'oublie pas, pour gagner du poids de fichier, encore on cherche, on est en train de batailler contre les poids de fichier pour gagner du temps de travail et de la rapidité, j'enlève des masques de fusion qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de garder des masques de fusion vides. Et je suis souvent surpris de voir des calques à outrance, 20 calques, avec des masques de fusion blancs. Il faut les mettre à la poubelle, ils ne servent à rien. Et ça pèse lourd, très lourd. Je vais, par exemple, ici, faire encore une petite correction. Je me présente ici, par exemple, je suis matériel, je suis contraint, c'est très moche ce que je vais faire, mais c'est pas très beau hein, de faire ça, mais on s'en fiche, et hop, je jette. Maintenant, ce qui m'intéresse, ici, c'est simplement de prendre tout, d'en faire un objet dynamique, donc dedans, c'est du RDB, par contre, ici, je peux tout à fait demander à ce que ça soit du CMJN, et comme ça, ne pas plisser les 10, bien évidemment. Okay, l'avantage ici, c'est que l'imprimeur ne verra jamais. Il s'en fiche. L'imprimeur, lui, va avoir du CMJN, il ne se posera pas de questions, il n'ira pas chercher plus loin. Je ne critique bien évidemment pas l'imprimeur. Mais voilà, c'est une solution pour faire plaisir aux uns et avoir les avantages de l'autre. Donc, les objets dynamiques, hein, je pense que vous connaissez un tout petit peu, même si ça pèse un peu, je suis d'accord avec vous, c'est quand même extrêmement malléable, extrêmement pratique, et on peut très vite, comme ça, revenir sur les images. En RDB, c'est ce que je fais souvent, moi, pour bien travailler, c'est que je fais tout ce qui est correction mécanique, effacer un logo, enlever une tâche, enlever les pétouilles, etc., faire des modifications de produits spécifiques. Tout ça, je le fais dans la partie, dans la boîte, ce que j'appelle la boîte RVB. Et par contre, de l'autre côté, dès que j'ai fini, je finalise mon image à la rigueur, les entrées noires, s'il y a besoin pour que le CMJN soit propre. Par exemple, ici, je pourrais avoir des problèmes de taux d'ancrage. Je ne vais pas non plus m'étendre trop non plus, mais ici, voilà, je pourrais chercher, donc, vous voyez, l'ancrage total. Et voir si j'ai pas, si je dépasse pas. Mais j'ai même pas besoin de vérifier. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas besoin de vérifier? Tout simplement parce qu'on est en ISO cottage, je vous rappelle, V2-300. Et comme ça, je n'ai jamais besoin de m'énerver à savoir si mes taux d'ancrage sont bons ou pas bons. Ils sont forcément bons. Parce que j'ai mis le bon profil. Ah oui, c'est plus pratique. Et oui, c'est plus pratique. Donc, ce qui veut dire qu'en préparant bien sa machine en préalable, on gagne du temps. Ça évite de s'énerver avec les vérifications, des gradations, des couleurs, des entrées blancs, des noirs. Et vraiment, on est beaucoup plus fluide et beaucoup plus serein. Tout va bien pour l'instant? J'ai perdu personne? Tout le monde a l'air de suivre scrupuleusement, religieusement presque. Donc tout va bien. Donc là, on a fait donc un tour d'introduction pour pouvoir comprendre un petit peu où se passaient les choses. Ensuite, tu nous as fait un petit tour directement sur Photoshop, après avoir réglé tes couleurs, les CMJN, les RVB et autres. Donc on continue dans cette direction-là. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, le chat est là pour vous. Ok. Alors, très rapidement, des petites astuces que moi j'utilise souvent. Ici, je ne vais pas forcément le faire forcément sur tout, mais je vais revenir sur l'image qui est ici. Pareil, gagner du poids de fichier, aller vite. Voilà. Par exemple, je décide de délimiter une zone avec une forme. Et je me fiche complètement de la couleur qui est dans cette forme. Voilà. C'est pas très beau. Même si je trouve que... les nouveaux outils ici sont assez efficaces. Hein. Alors, je rappelle qu'on a des réglages maintenant qui peut gérer l'épaisseur, la couleur, etc. Ou afficher le déplacement, pour ceux qui se rappellent, c'est pas de tout voir en même temps qu'on fait le tracé. Voilà, on peut voir le tracé qu'il y a derrière. Mais je ne m'étends pas là-dessus. Ici, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est qu'en fait, j'ai une forme 1 que je pourrais mettre ici, par exemple, en teinte. Ça va être très moche, mais c'est le propos. Et en fait, ou en couleur. Là, ce que je voudrais faire, c'est que j'ai plusieurs versions à faire. Donc, est-ce que je multiplie le nombre de calques? Non, en fait, l'astuce, elle est assez cool là-dessus, c'est de ne pas hésiter pour gagner du poids de fichier, aller plus vite. C'est de mettre ici des compositions de calques. Donc, par exemple, faire une version ici V1. Je coche bien l'aspect, le style de calque. Et je fais tout simplement, OK. Alors, ce qui est nouveau, c'est la sélection des compositions de calques pour les objets dynamiques. Ce qui veut dire, ah oui, mince, ça veut dire qu'avant, on était un peu tensé. Non, là, on peut récupérer, même en passant sur un objet dynamique. C'est assez puissant. Et je peux avoir une V2. Je peux changer, par exemple, ici, la couleur, mettre une appréciation de couleur, par exemple, complètement différente, du vert en mode teinte. Je vais aller assez vite, pour ne pas perdre de temps. Voilà. Et ça, c'est ma V2. Voilà. Et ainsi de suite, je peux avoir plusieurs versions, rapidement, en utilisant les compositions de calque. Donc ça, c'est un des outils qui est très pratique, surtout que ces compositions de calque, on va pouvoir les récupérer dans les paramètres du design, donc pour choisir plusieurs versions. Donc là encore, je gagne en poids de fichier parce qu'un seul fichier fait plusieurs choses. Donc
partie des choses qui nous font gagner du temps, qui nous font gagner du poids de fichier, qui nous permettent de travailler de manière tout à fait sereine dans Photoshop, et même de manière un peu collaborative, hein, avec nous-mêmes, en fait, parce qu'on est en train de préparer les informations. Alors, pour les puristes, je n'ai pas renseigné, je n'ai pas mis de commentaires ici. Il est vrai que plus on va mettre de commentaires, plus ça sera clair, il sera plus simple pour moi de revenir sur mon travail pour voir ce que j'ai oublié, pas oublié, pourquoi j'ai fait cette modification-là, etc., etc., etc. Bon, je vais supprimer rapidement ces compositions de cadre. Petit détail aussi, mais pas que je vous montre que ce soit le visuel que je vais vous montrer. Toujours pour gagner en vitesse d'affichage. Ici, je vais revenir sur mon fichier. Oui, voilà. Hop, hop, hop. Ici, et je vais aller dans mes petits fichiers d'image qui étaient ici, vite. Et je vais prendre, je la vois, l'image, elle est là. Cette image-là. Je vais imprimer un profil, c'est pas très grave. Oui, ici, par exemple, j'ai plein de versions différentes. J'ai fait pas mal de corrections, bref. Je vérifie quand même. J'allais dire quelque chose et j'ai perdu le fil. C'est terrible, ça va quand même me faire ça. Ça va me revenir. Oui, c'est là. Ici, ce qui se passe aussi, c'est que mince, je perds du temps parce que je ne perds plus trop dans mes visuels parce que je n'ai pas un très grand écran à la maison. J'ai pas besoin. Voilà. N'oubliez pas qu'on peut, dans les options de panneau de calque, c'est le petit détail, limiter au calque les vignettes. Donc, ce qui veut dire que, regardez, je vois bien que là, c'est la main et le pouce, ce qui évite d'avoir à chercher pendant 2 heures, même si vous remarquerez que j'ai tout de même documenté parfaitement mes fichiers. Mais voilà, on peut aussi mieux travailler en utilisant vraiment toutes les fonctions du logiciel. Voilà, c'est une petite idée qu'on a ici pour Photoshop. Je reviendrai peut-être sur des petits détails de Photoshop s'il y a des questions. Je vais continuer maintenant sur Illustrator, après sur InDesign, et puis s'il y a besoin, je reviendrai sur Photoshop s'il y a bien évidemment des questions, parce que moi, tant qu'il défile, j'ai pas envie de vous mettre en retard. T'inquiète, pas de soucis. Comme on a démarré un petit peu plus tard, si toi, t'es pas speed derrière, on garde 1 heure quand même, hein, tu sais. D'accord. Soyons qu'allais-je dire ? Je pensais quelque chose. Oui, les actions aussi, qui sont des moyens ici de faire beaucoup de choses. Alors, je fais une petite clarification, parce que souvent, moi, j'ai des images à préparer. Ici, j'ai préparé des images que je dois mettre à 800 pixels. Et souvent, ils me disent, mais je comprends pas, à chaque fois, ça, on a l'impression que ça marche pas, ou tu me réouvres la fenêtre en me disant qu'il faut que j'enregistre mes fichiers, je n'enregistre pas. En fait, c'est un petit détail qu'il faut bien comprendre. C'est que ici, quand vous faites un visuel, quand j'ai demandé à ce que les images passent à 800 pixels, je sais pas si tout le monde voit bien mon écran, ici, non, peut-être pas, je ne sais pas une bonne idée de faire ça, donc ici à 800 pixels, et j'ai décidé d'enregistrer mon image en format JPEG. Et il est vrai que lorsque vous allez dans vos demandes d'automatisation, traitement par l'eau, ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, alors c'est mal, je trouve que ce n'est pas très bien expliqué, mais en fait, ce qui se passe, c'est que d'une part, il ne faut pas laisser priorité sur les instructions d'action ouvrir, parce que je n'ai pas donné dans mon script, dans mon action, je n'ai pas demandé à ouvrir le visuel, donc il ne comprendra pas. Par contre, là, je veux travailler donc sur des images, je vais sélectionner un dossier. Ici, par exemple, je vais prendre le dossier image pack 2500, c'est celui-ci que je vais sélectionner. Donc, il a bien compris qu'il fallait mettre ça quelque part, dans un dossier qui s'appelle 800, je vais aller vite, ici. Et c'est là que c'est important. Il y a une priorité sur les instructions d'action enregistrées sous. Pourquoi ? Parce que dans mon action, je ne sais pas si tu peux le voir en même temps, j'ai prévu d'enregistrer. Donc, en fait, quand on coche cette case, souvent, il y en a qui te demandent dans les forums, mais à quoi elle sert cette case ? À chaque fois, ça, je ne sais pas s'il faut la cocher ou ne pas la cocher, ou bref. En fait, ça veut dire, dès que j'ai prévu d'enregistrer un fichier suivant des réglages JPEG avec une qualité spécifique, eh ben, il met la priorité sur ce paramètre-là. Et donc, mon fichier va être enregistré avec l'information comme quoi c'est maintenant des images à 800 pixels avec l'extension, et je vais faire OK. Ça va aller très, très vite. Je pense que je ne vais même pas voir ce qui se passe. Je ne sais même pas si ça va se voir ou pas. Voilà, c'est déjà fini. Alors qu'il y avait une dizaine d'images à faire, mais voilà, c'est assez performant, hein. Ça fait gagner beaucoup de temps. Je pense que quelqu'un que tout le monde connaissait un tout petit peu peut-être déjà cette fonction. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, en effet... Je ne suis pas sûr que les gens connaissent vraiment, puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui viennent de redécouvrir les compos de calque, même si, pour certains, ils ont eu l'occasion de tester le... De voir ça dans les sessions précédentes. Donc c'est très cool, c'est très bien de pouvoir leur montrer qu'il y a plein d'utilisateurs différents, en tout cas de formateurs différents, qui utilisent ça en prod. Merci.
Ben non, merci, merci, merci à vous. Donc là, on voit bien que j'ai mis des images qui sont prêtes et qui sont toutes faites comme j'ai demandé, et ça va très très vite. Donc c'est souvent ces petits réglages-là qui nous font gagner du temps. Voilà pour la partie Photoshop. Je reviendrai sur des détails, hein, s'il y a moins de questions, si je peux en tout cas éclairer quoi qu'il en soit. Ne vous posez pas trop de questions sur ce qui se passe ici sur mon Photoshop. C'est vrai que j'ai beaucoup de plugins à côté, mais alors je ne me suis pas servi de la bibliothèque. On la verra plutôt dans Illustrator, pourquoi pas, et dans InDesign. Petite nouveauté, les motifs, hein, qui sont beaucoup plus maintenant importants. Et puis voilà, après moi je suis assez content de ce qui est devenu la version Photoshop CC 2020, qui est vraiment pour moi une belle version, en tout cas qui marche bien. Je vais tout de suite maintenant aller plutôt sur InDesign pour voir un tout petit peu ce qui pourrait, plutôt sur Illustrator, excusez-moi. Donc sur Illustrator, pour faire le point un tout petit peu sur ce qui pourrait me faire gagner un petit peu de temps. Si ma machine n'est pas assez puissante, bien évidemment, bah, ça a été rapide, hein. Alors oui, je n'ai pas ouvert la fenêtre d'accueil, mais ce n'est pas forcément ce que vous voulez ici faire. Je vais d'abord aller dans les préférences générales. Alors déjà, un petit quelque chose qui est important. Or, c'est pas non plus. On s'en rend pas toujours compte, mais l'incrément clavier, pensez-y, il n'est jamais à la bonne taille. Hein. 0,35-28, c'est énorme. N'hésitez pas à le modifier pour que lorsque vous allez déplacer des éléments avec les flèches, ça ne fasse pas des sauts, parce que là, c'est quoi? C'est une grille, il y a un problème ou quoi que ce soit. Non, n'hésitez pas à changer votre incrément en clavier. Pareil sur le rayon si vous avez besoin. Autre chose qui consomme beaucoup, si vous n'avez pas la carte graphique, la machine qui fonctionne assez vite, vous pouvez décocher l'illustration glissée, ce n'est pas très grave. Le temps de voir vos fichiers, ça vous aide à travailler. Si vous n'avez pas de travail spécifique à faire sur Illustrator, ça vous fait gagner beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, parce que souvent, on n'y pense pas toujours. Ensuite, le reste ne changera pas grand-chose au niveau même des performances, hein, etc. Du tout, régler là-dessus. La preuve, c'est que malheureusement, même si moi j'ai une carte graphique qui soulage Illustrator, vous remarquerez que ici, le GPU, c'est pas ma carte externe. Sinon, ça serait marqué 580 ici et non pas 560. Donc, ce qui veut dire que malheureusement, on est encore un tout petit peu en décalage par rapport au PC, vraiment. Où là, les PC, eux, reconnaissent sans problème les cartes. Hein, ici, c'est pas toujours le cas. Mais ça ne changera pas grand-chose dans le travail de tous les jours. OK. Bah, je vais laisser Amius. Moi, j'ai une machine qui peut le supporter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les calques. Alors, pas grand-chose de très complexe au niveau des calques. Je vous ouvre une petite illustration. Ça brille. Ici, ça va venir. Tac. Je vais aller sur mes Creative Cloud Files, par exemple. Et je vais aller sur cette petite illustration. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, bien sûr, j'ai les calques. Alors, mauvais exemple, je sors déjà d'écrire, c'est que je pourrais subdiviser, structurer mon illustration avec des calques principaux. Donc ça, c'est la première chose qui pourrait être faite. L'autre petite chose qui peut vous faire gagner du temps, c'est un tout petit détail, mais ça fait gagner vraiment pas mal de temps, surtout quand vous n'avez pas grand-chose à modifier, c'est le fait que dans les options de panneau, vous pouvez demander à ce que toutes les vignettes ne soient pas générées. Parce que des fois, vous allez voir que ça consomme vraiment d'énergie, hein, parce qu'il est obligé de faire un effort pour les visualiser aux vignettes. Et donc, je peux dire, non, je veux ne voir que les objets, ou que les groupes, pas forcément les objets. Et donc, bah oui, ça fait gagner un petit peu de temps. Toutes les vignettes ne sont pas forcément générées. Et ça permet d'aller plus vite. Rien que le fait d'ouvrir des vignettes, ça met un petit peu de temps. Donc, c'est un petit détail qui nous font travailler plus vite. Autre petit détail, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Je ne sais pas si vous connaissez cette astuce. C'est de faire des vues. Par exemple, ici, je vais faire une vue. Voilà, je vais me concentrer sur... voilà. J'aimerais bien pour aller plus vite, parce que je sais que le client va me demander 4 fois ce truc-là, et j'ai pas envie d'y passer 2 heures à chaque fois à chercher cette seule vue, et je peux demander dans l'affichage une nouvelle vue. Et je vais par exemple l'appeler, ben, ici, femme, ordi, ordinateur, très bien. OK, et je vais faire une autre vue qui m'intéresse, ici, l'homme qui pousse, hop, donc nouvelle vue, homme. Ou ce qu'est un bah, tout simplement le fait que quand je vais dans mon affichage, je vais pouvoir aller directement me concentrer sur un ordinateur, me concentrer sur Home Tools. C'est-à-dire que si je vais me préparer en fait des zones, surtout sur des illustrations qui sont assez complexes, ou même des illustrations où j'ai généré plusieurs plans de travail, et ben j'aimerais rapidement identifier des endroits où je sais qu'il faut qu'on en discute avec le client, etc. Et donc ça me permet de rapidement avoir des bah, visualiser des parties spécifiques, même si bien évidemment le pomme plus, pomme moins, etc. fonctionne très bien, contre plus, contre moins. Pareil sur le mode isolé, qui est
spécifique, on peut cliquer plusieurs fois jusqu'à visualiser qu'un élément spécifique visuel. Vous voyez, on voit bien ici le fait que l'illustration peu à peu se découpe de manière hiérarchique. Mais voilà, c'est des fonctions qui sont intéressantes, cette fonction qui est ici, le fait que dans l'affichage, on puisse choisir rapidement des vues. Donc bien sûr, pas l'intérêt parce que c'était en mode isolé, en cliquant plusieurs fois sur le même élément, que peu à peu, il nous affiche que cet élément et qu'il nous mette en image descendue, entre guillemets, le reste de notre illustration. Tout va bien pour l'instant ? Tout va toujours bien, ouais, pas de souci. Tout le monde est toujours là, tu peux y aller. Très bien. Donc, bien évidemment, on a aussi une autre petite fonction que j'aime particulièrement. Alors, je ne sais pas si je vais être très, très, très haut. Voilà, bien sûr, c'est super, super optimisé. Quand on a des illustrations qui sont très lourdes, là, ce n'est pas le cas. C'est une illustration qui vient de Adobe, donc c'est une œuvre d'art, bien évidemment. On est très corporate, c'est normal. Mais c'est très joli, j'aime bien. Faut savoir que maintenant, les tracés, on peut les simplifier. Alors, faut que je me rappelle où on le fait. Ça y est, je sais plus, tracé, simplification et tracé, non, je sais plus, ça y est. Objet et tracé, dans objet et tracé, ouais, plus haut, voilà. Et là, oui, tu dois avoir simplifié, il faut qu'il soit sélectionné. Voilà, c'est ce que j'allais dire, je suis en train de me dire que si je ne veux pas grand chose, voilà, je vais prendre un tracé, donc voilà, objet, tracé, voilà, il est où. Donc là, en fait, il a été grandement amélioré cet outil, et donc il est assez bluffant d'efficacité, hein, vraiment. Je ne sais pas si toi, Franck, tu as des retours sur cet outil-là, mais moi, j'ai été agréablement surpris, surtout qu'il m'arrive souvent de pixeliser des visuels. C'est pas bien, je sais, mais quand on est pressé ou quand il faut faire rapidement un logo. Donc là, c'est assez bluffant. Ça marche plutôt pas mal et ils ont bien. En fait, ils ont réussi à gérer un petit peu le cadencement des points, le rythme, pour que ça plaise à la fois aux graphistes, aux illustrateurs et aux gens qui sont en prod. C'est surtout ça le plus fort. Donc c'est vraiment assez bluffant. Je continue là-dessus. Bien autre chose qui peut vous faire gagner du temps. Tout ça. Je vais vous ouvrir ici un autre fichier, c'est les plans de travail, on n'y pense pas souvent. Et ça fait gagner du temps parce que ça me permet d'avoir sous le coude, alors bien sûr, je ne l'ai pas montré pour Photoshop, mais il y a la même fonction dans Photoshop, hein, sous l'outil de sélection, avec la petite hache avec la petite croix. On a la même fonction qui nous fait gagner pas mal de temps, on a plusieurs plans de travail. Donc ici, je vais de le retrouver ici, j'espère que je l'ai bien mis quelque part. Il faut que je me rappelle, j'ai mis de côté. Voilà, présentation. Est-ce que j'ai mis quelque part? J'ai peut-être dû le mettre ici. Dans les liens, peut-être. Est-ce que je le vois? Oui, je crois que c'est celui-ci. Voilà, ok. Est-ce que j'ai modifié ou pas? Oui, voilà. Donc ici, on voit bien que j'ai deux plans de travail. Et en plus, ils sont bien renseignés. Ça ne faut pas hésiter à les renseigner. Souvent, soit plan de travail 1, plan de travail 2. Ouais, on peut mettre des noms, ça ne coûte rien, encore une fois. Et ça fait gagner du temps, c'est plus propre, on s'y retrouve. Ce qui veut dire que si je reviens plusieurs semaines après sur le même boulot, je retrouve les informations. Autre petit détail auquel on ne peut pas toujours. On a maintenant vraiment des vrais outils d'exportation de fichiers qui sont assez bluffants. Et je ne veux pas trop perdre de temps, on pourrait passer presque 20 minutes à expliquer cet outil qui est assez bluffant. On va chercher des illustrations pour faire des PNG deux fois, trois fois plus grands, plus petits, avec des suffixes. On peut... Excusez-moi, c'est extrêmement performant. Donc voilà. Mais les temps de travail sont extrêmement pratiques et il nous faut gagner du temps pour s'y retrouver, hein, tout simplement, quand on peut préparer des fichiers. Voilà pour le petit détail. Alors, j'en profite pour vous parler des bibliothèques. Là, j'ai plusieurs logos. Je suis sur une bibliothèque BNP Paribas, c'est le cas ici. Et ben, je peux bien évidemment prendre des éléments. Oups, bien joué. Si je ne prends pas le bon outil, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et le glisser ici pour enrichir. Oui, bien sûr. Tac. Enrichir ma bibliothèque et puis glisser les éléments dont je pourrais utiliser après plus tard. Hein. On peut y glisser beaucoup de choses. Hein. N'oubliez pas qu'on peut glisser des styles, on peut glisser des visuels, on peut glisser des effets. Les bibliothèques sont extrêmement pratiques. Même pour vous, je ne pose pas à quelqu'un d'autre, je pose tout seul dans mon coin. Oui, et ça vous fait gagner du temps, parce que c'est bien de pouvoir mettre tout ça sur votre cloud et de pouvoir vraiment avoir des fichiers qui sont des éléments qui sont
rapidement à disposition. Et puis, ça crée une sécurité quelque part, hein, parce qu'ils sont toujours sur des clouds et il y a peu de chances que vous craquiez votre cloud, en fait, hein. Donc, ça, c'est assez pratique. Pour l'Appo-Illustrator, je regarde un petit peu le timing. Je vais faire un petit saut sous InDesign, si vous voulez bien. Alors, petit détail, pour gagner du poids de fichier, ne pas trop ralentir, c'est un point assez important. Hop, 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 hop. Il faut que je retrouve la fonction, ce serait bien. Mais ce n'est peut-être pas le cas ici. Ah, c'est terrible de ne pas me rappeler. Bon, quand ça me reviendra, je ne le vois pas, je ne le vois pas. C'est les effets pixelisés. Ah, voilà. Petit détail. Là, je suis en CMJN et je suis en résolution écran, etc. Donc, bien évidemment, ma pixelisation est faible. Oui, ça vaut le coup de faire ça. C'est-à-dire que quand je vais mettre des effets spécifiques, des ombres portées, etc., tant que je suis pour l'instant en train de travailler, préparer mes éléments pour pas alourdir ma machine, la fatiguer en travaillant avec des trucs trop pixelisés, eh ben, je vais rester plutôt en écran. Et à rigueur, à la fin, je vais passer en mode élevé. Et comme ça, je serai tranquille. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que ça va simplement changer l'aspect de mon ombre. Et donc, à ce moment-là, au dernier moment, je passe en élevé. Et quand j'envoie ça vers InDesign, par exemple, les fichiers sont propres. Mais ça m'évite de bosser tout le temps avec des ombres portées, toujours pixelisées à 300, qui mettent un certain temps à s'afficher. Ça ne vaut pas le coup. Voilà. Je vais passer maintenant tranquillement sous InDesign. Non, je ne vais pas enregistrer. Ça va bien pour l'instant? Parce que je suis un petit malheureux parce que d'habitude j'ai une petite interaction, mais là je ne D'habitude, vois tu as pas une qui parle. audience et tout, tu peux voir les Voilà. gens. Et les gens, en fait, sont super Exactement. contents, en fait. Stéphane nous propose même, pour les prochaines sessions, de nous faire un petit retour sur ce que sont les compositions de calque. Donc, on profitera D'accord. d'un direct du canapé pour voir ça avec Stéphane dans quelques temps, sans souci. Oui, c'est encore une fois, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est que sans aucune prétention, l'idée c'est de montrer tout ce que moi j'utilise. Pour éveiller la curiosité aussi et gagner du temps en productivité. Je vais aller sur le design maintenant. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Alors, là aussi, des choses qui sont un peu basiques, mais que j'adore utiliser. Alors, j'attends qu'il démarre. Désolé, excusez-moi. Alors, moi, mon interface n'est pas. Enfin, aussi. Alors, ouais, j'ai une petite frayeur, hein, un petit moment de doute d'InDesign. Donc ici, donc les pages, les cas, j'ouvre rapidement un document ici que je vais ouvrir. Je vais prendre celui-ci. Donc c'est voilà. Donc ici c'est du bien. Alors, je ne vais pas faire de pub pour une société en particulier, mais c'est un cas d'école. Hein. Vraiment, on a vraiment fait. J'ai travaillé notamment sur ce projet avec mon mentor. Sous une design qui est Bénédicte Chantaloup, pour pas la citer, mais je la cite avec respect parce que c'est vraiment elle qui m'a vraiment montré des tonnes de choses sous une design et on devait travailler ensemble là-dessus d'une part à la maison, d'une part sur site, etc. Donc il y a plein de choses qui nous font gagner du temps. La première chose, mais je rabâche, mais je préfère rabâcher encore une fois. Créer des feuilles de style. Même si ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner du poids de fichier parce que vous ne vous retrouvez pas avec des tonnes d'éléments à mettre en forme en passant 2 heures dessus. Enfin, du poids de fichier, mais du temps de travail. Et donc, vraiment, les feuilles de style, c'est indispensable. Oui, mais j'ai fait une simple double page. Oui, même pour une carte de visite, je vous dirais, faites des feuilles de style. Ça, c'est la première chose. Ça ne coûte rien et c'est extrêmement rapide à faire. Petit détail, hein, qui a changé, vous avez vu, hein, maintenant, comme des calques, etc., c'est des petits plus. Hein. Il y a des fois qui sont surpris de dire ça a changé. Bah, oui, ça a changé. Bon, après, si on suit peu à peu l'évolution des logiciels, on n'est pas trop surpris, mais là, c'est vrai que bon, y a une piste d'évolution d'interface, hein, qui ont été faites au fur et à mesure. Hein. Toutes les interfaces sont maintenant, entre guillemets, synchronisées. Hein. C'est du Photoshop, puis on retrouve les mêmes interfaces. Donc, et dans Photoshop, ils sont mis pareil à ces petits signes-là. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? Très rapidement, moi, ce que j'utilise beaucoup, ce sont les livres. Je m'explique. Ici, j'ai besoin de synchroniser pour un client beaucoup de choses, donc les feuilles de style, etc. Eh bien, l'astuce consiste à utiliser ici un livre. Je vais essayer de le trouver, sauf erreur de ma part. Je le vois pas. Pourquoi je ne le vois pas? Il est là. Pourtant, il est là. Alors, je vais peut-être pas créer ici. Je vais aller chercher. Peut-être que j'ai mis là-dedans. Alors, où est-ce que j'ai mis ce livre? Pourtant, j'avais préparé pour aujourd'hui.
C'est pas très grave. Ah non, je ne l'ai pas préparé. J'avais dû dire que j'allais le préparer en live. Alors, je vais m'embêter, je vais faire ici un nouveau livre, très simplement. Je vais faire book 1, voilà, très bien. Que je vais mettre. Ah bah si, j'ai vu. Ah, je viens de le voir. J'en avais écrit un, non? Je viens de le voir. Catalogue livre. Ah, voilà. Je vais prendre le catalogue montage IMJDB. Oui, voilà. J'aurais bien travaillé quand même. Ah, voilà. Je vais refermer ce document ici. Je vais ouvrir cet édito. On s'en fiche de ce qu'il y a dedans, c'est pas très grave. Voilà. Donc, un édito tout simple, hein, où il y a plusieurs pages. Ici, puis je voudrais un autre fichier qui est ici. OK. Bon, on n'avait pas de marque, il n'y a rien. Donc, tout va bien. J'ai fait exprès de tout enlever. Voilà. Donc, par exemple, ici, ce que j'explique souvent, c'est que je l'ai fait pour un document qui fait plusieurs pages. Et tout le monde se dit, bah oui, on ne peut se servir de livre que lorsqu'il y a plusieurs pages dans un document long, par exemple. Oui, mais l'autre avantage, surtout, c'est que ici, il y a un document maître. Et je pourrais même m'amuser à créer un nouveau document, ici, que je vais appeler master. J'aime beaucoup ce terme un peu master ici, master. Et master, non pas master, l'alcool est un fléau. On se fiche à la rigueur du format du document, très bien, et je vais enregistrer ce document ici. Au niveau de mes catalogues libres, très bien. Je vais le rajouter, je vois que je ne peux pas trop m'embêter dessus, je vais ajouter un document hein, qui va être mon document master. Et donc, ce qui est intéressant ici, voilà, je le mets à la fin parce que je ne veux pas forcément qu'il soit pris en compte, et ben, en fait, c'est lui qui commande tout. Donc, si maintenant je décide, alors là pour l'instant, pas de feuille de style, il n'y a rien. Okay. Mais j'aimerais bien, par exemple, partir des feuilles de style qui existent déjà, par exemple, et les synchroniser. Donc, je vais synchroniser tout ça. Okay. On va synchroniser les documents. Ouais. On voit bien qu'on a, OK, on a tout récupéré dans Master. Donc, maintenant, c'est lui le document maître. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si je change quoi que ce soit ici dans mes feuilles de style, eh ben, je vais pouvoir synchroniser tous mes documents extrêmement vite. Ça me fait gagner un paquet de temps. Je n'ai pas besoin de réouvrir les fichiers, importer les feuilles de style, les transférer, vérifier ce que j'ai modifié, pas modifié. Donc, c'est, voilà, le livre permet de synchroniser un paquet de choses. Et c'est pour ça que ici, je vous invite à vraiment contrôler les options de synchronisation. Il y en a vraiment beaucoup. Les styles de tableau, de styles d'objets, les de numéroter, comment les nuancer, tout est synchronisable. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez en effet des documents qui commencent à être construits pour un client, et c'est ce que je fais souvent, en tout cas c'est le cas ici de ce client, et ben, je crée une sorte de document master, master client, avec le nom du client, et comme ça, automatiquement, dès que je commence, hop, c'est parti, synchronise, et je récupère mes feuilles de style, mes nuances, etc. Vous me dites, on pourrait faire des modèles? Oui, vous avez raison, mais voilà, je laisse la porte ouverte à ce que vous voulez utiliser, si vous qui décidez, mais c'est vraiment une proposition, voilà, là-dessus. Autre petite chose qui sera extrêmement utile, je ne vais pas enregistrer ça. Tout va bien, j'ai encore un peu le temps. Tu me dis, hein, Franck, hein, je vois qu'il est 15h02, donc j'essaie de me presser, Tout à mais... fait, il te reste encore un bon gros 10 minutes plus même. 10 minutes. Alors, je vais Donc ne t'inquiète un pas, peu vite. ne speed pas, tout va bien. Tout le monde t'écoute et tout le monde D'accord. profite. D'accord. Alors, dans les choses aussi qu'il faut gagner un petit peu de temps, j'ai un peu ça, bien évidemment, mais on vous en a beaucoup parlé de tout ça, de tout ce qui va être ici, les... je vais mettre enregistrer ça non plus. Voilà, je vais ouvrir le fichier de tout à l'heure. C'était ici. Voilà, parfait. Et je vais ouvrir ça. Très bien. Oui, parfait. Donc ici, bien évidemment, je pourrais aller chercher tout ce qui va être bibliothèque. Je peux vous laisser mon petit bibliothèque, je ne les vois pas. Voilà. Donc je pourrais aller chercher, par exemple, différentes bibliothèques dans la bibliothèque de Paris. On voit bien que c'est synchronisé, je pourrais récupérer des feuilles de style, etc. Donc tout ça marche vraiment bien. L'autre moyen de se faire des transferts rapides, alors c'est pas l'outil que je trouve le plus fun qui soit, mais il existe, hein. Je sais pas si y en a qui se rappellent de ce document, de ce système-là, c'est ce que j'appelle vraiment le contenu, importation de contenu, mais bon, ça existe, hein, c'est vraiment assez efficace, hein, quand on, mais pas très fun à utiliser. Par exemple ici, je vais aller chercher, donc prendre l'outil pour récupérer ce contenu.
Voilà, on va essayer de le faire proprement. Voilà, je récupère le contenu. Je peux récupérer ce contenu ici. Je pourrais aussi demander à récupérer le contenu de toute la page. Et ensuite, il va me demander soit de leur poser un endroit, soit, donc ici, de leur poser un endroit, ici, soit de leur poser un endroit puis ne plus l'utiliser, ou de leur poser un endroit puis je peux l'utiliser plusieurs fois. Donc, si j'ouvre par exemple un autre document, ici, récupération de contenu, un document qui était comme cela. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller sur la première page, par exemple, même cette page-là, très bien, plutôt celle-ci. Voilà. Et je me dis, bah oui, j'aimerais bien récupérer. Alors là, j'ai une solution, j'ai importé plusieurs éléments et les conserver dans le transporteur. Donc ça, c'est mon transporteur. Je vais les récupérer au départ. Et je peux même créer un lien. Quel intérêt de faire ça? Par exemple, je prends le premier. Ouais, très bien. Ah, je vais faire un peu pour glisser. On voit d'accord, ok, c'est posé, c'est un petit peu plus grand quand même, je vais me poser comme ça. Voilà. Et on me dit, bah oui, c'est sympa, c'est avec un lien. Oui, parce que dans ma fenêtre lien, ici, on voit que c'est lié au fichier InDesign. Ce qui veut dire que, ah non, c'est vraiment lié. Oui, c'est lié. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si je vais là, et qu'on me dit gentiment, ben voilà, ici, je vais changer ça, et puis je vais appeler ça, par exemple, protection de 2, voilà, superbe, j'enregistre, ça ne pas, ici, qu'est-ce qui se passe? Je dois le mettre à jour. Et donc, paf, c'est à jour. Donc, ça veut dire que ce transporteur, je vous avoue que c'est pas la super ergonomie. Hein. Il est un peu obscur à utiliser au départ, mais vraiment, entre les styles de correspondance, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vraiment un outil puissant. Alors, bien sûr, il n'est peut-être pas très fun au départ, mais vraiment, ça vaut le coup. Bien sûr, on peut faire des copier-coller, tout ça, ça existe. Hein. Mais l'idée, c'est de garder sous le coude les éléments et de pouvoir les disposer page à page, séparés, etc. Autre truc qui est intéressant, mais qui remplace un peu ce transporteur, et moi j'adore en particulier, que ça dédicace encore une fois Bénédicte, bah c'est la snippet. Hein. Ça veut dire très simplement que vous pouvez, de manière très simple, prendre n'importe quoi. Je vais faire ici, ouais, je prends ça et hop, je prends ça, hop, je glisse sur mon bureau, vous avez le snippet. L'avantage, c'est que sur n'importe quoi d'autre, vous glissez, paf, vous remettez, paf, et c'est fini. Et ça, c'est quand même super pratique. Et tout ça, ces snippets, eh ben, je vais pouvoir les stocker quelque part, les mettre dans mon cloud. Ce qui veut dire que lorsque je vais pouvoir me déplacer de manière très simple, je peux récupérer tous mes éléments et tout suit. Donc, c'est vraiment pratique. Hein. C'est des moyens assez simples de transférer du contenu et que j'aime beaucoup, en tout cas ici. Tout va bien pour l'instant. Je vérifie, il me reste 4-5 minutes. Je sais me Okay. Si placer. tu as besoin de 30 secondes de plus, si tu as besoin de 5 minutes de plus, je suis pas tout à fait sûr que les gens seraient déçus d'avoir plus d'explications pour plus de temps. Je t'inquiète, tout va bien. D'accord. Autre chose que moi j'adore, que j'utilise beaucoup, alors après c'est pas forcément évident suivant les gens d'utiliser cet outil, c'est le Publish Online. Je sais que Franck vraiment parler énormément de ce système. Jean-Loup, pour pas le citer aussi, qu'on en parlait notamment Si, lors des si, visites alors à plusieurs groupes. Stéphane est présent, Jean-Loup est présent, je suis là, Alex est là, on est plusieurs du InDesign User Group justement à apprécier ce jouet. Donc rassure-toi, tu peux en parler, il n'y a pas de souci, tu es en Voilà, territoire donc moi ami. je sais que j'utilise pas mal. Et c'est bluffant, c'est un outil, je trouve, magique. Hein. Voilà, je choisis ce que je veux publier. En fait, ça va créer un système c'est un moyen de pouvoir donner au client un moyen de contrôler le document. Voilà, sans qu'il ait trop besoin de chercher à savoir comment il doit le faire, etc. C'est hyper simple. Moi, ce que j'utilise en général, c'est aussi de télécharger le document au format PDF. Pourquoi? Parce que, en fait, je vais pouvoir, grâce à cela, lui demander de peut-être, si lui, il est un éditeur PDF, de modifier, de faire des commentaires sur ce PDF. Pourquoi? Parce que dans l'autre sens, outre le fait de pouvoir publier, alors là, je vais peut-être publier ici rapidement, hein. Je crois que j'avais déjà publié cet élément. Donc là, je suis en train de bosser, hein. Je peux même continuer à travailler tranquillement, ce qui va me remettre la tête quand ce sera fini. Voilà. Donc là, il est en train de faire le transfert, oui, il bosse tout seul, il est gentil, peut-être pas vite, hein. Voilà. Je viens afficher le document, donc là, on voit bien que c'est pas mal, il est prêt, il n'y a pas de souci. Parfait. Et donc, on voit bien que ici, je pourrais charger le PDF. Donc, faire des modifs dessus, hein, ou faire des annotations. Et il faut savoir que, alors, je ne suis pas trop perdre de temps là-dessus, mais si vous faites des annotations, etc. dessus, ce qui est intéressant, c'est que, bah, il faut savoir que dans le design, alors que je retrouve, ça y est, je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus, commentaire PDF. Voilà. Bah, je mets des commentaires, peut-être, peut-être plus simple, hein, je vais vous montrer, non? Ça serait plus cool. J'ai le temps ou j'ai pas le temps? Mais oui, t'as le temps, t'inquiète. Lance-toi. Ok, d'accord, c'est parti.
fais le petit fichier là, par exemple, je vais mettre, je vais enregistrer, très bien, et je vais récupérer ici, voilà, comme si j'étais un client qui observait mon petit fichier, très bien, ok. Je vais faire un simple commentaire, bah, parfait, ici je trouve que vraiment, voilà, ce titre ça ne ressemble à rien, voilà. Donc je vais faire un nouveau commentaire, c'est, je ne sais plus, c'est terrible de ne pas pouvoir faire un commentaire. Ouais, là-dessus, ouais, très bien. Et je mets un commentaire. C'est bien sûr que je publie s'il faut. Très bien. Super, j'ai pas fait d'erreur. Tu me dis, si je fais une petite erreur, ça peut arriver. Hein. Donc, ici, parfait. Je réduis tout ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer ce commentaire. Donc, en effet, quand je vais dans mon petit design, je referme un peu toutes ces fenêtres. Excusez-moi pour le fouillis. Je vais donc aller chercher les commentaires PDF qui correspondent à mon fichier qui doit se trouver dans mon téléchargement, qui est ici, importer les commentaires, et j'ai bien ici le commentaire qui correspond. Donc, en effet, alors, PublishOnline, je sais qu'on peut pas toujours envoyer le fichier, on n'a pas tous un éditeur PDF, mais c'est vrai que c'est encore une fois une éducation du client, c'est que, bah, quand même, qu'il puisse mettre des commentaires, qu'on puisse les récupérer et éviter d'ouvrir, les exemples avaient été très clairs, hein, je sais plus si c'est toi, Franck, qui l'avait donné, cet exemple d'ouvrir deux fenêtres sur deux écrans, ça prend du temps, alors que là, on peut checker chaque commentaire, ok, je l'ai fini, je l'ai fait, vous voyez. C'est vraiment extrêmement puissant, quoi. Je trouve ça. Ouais, là voilà, pour le coup, c'est... on est vraiment en production. Je pense que à chaque fois qu'on vous fait des démos, on vous présente toujours le truc avec 3 ou 4 commentaires. J'espère que dans l'audience, on a des gens qui ont eu l'occasion de traiter, ben, comme moi, des centaines de pages de catalogue, des centaines de pages de oui, romans, voilà, ou autres, sur lesquels on se retrouve très très rapidement à avoir des tonnes de trucs à valider, et surtout le besoin de s'assurer en fait que qu'on soit capable de déchiffrer l'écriture du client, qu'on soit capable de s'assurer que le client a réellement pris le temps de relire, parce que, bah oui, en production, ce qu'on va essayer aussi de faire, c'est de gagner du temps pour de vrai avec sur la réalisation. En général, on est, lorsqu'on est au moment de l'exé, on est un peu le dernier maillon de la chaîne, et ça se ressent malheureusement au niveau des propositions du client. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé bon exemple. Je pensais tomber dessus par chance, mais bon, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Mais oui, moi, il se forme sur le cas de cette société-là, qui était BNP Paribas, notamment, on avait des contrats en 4 exemplaires écrits en tout petit, et quand il fallait trouver le mot qui était en trop ou la coquille qui avait été glissée, je peux vous garantir que sans ces commentaires PDF, ce n'était pas possible, quoi. On passait trop de temps. Donc c'est là où en fait on s'aperçoit que c'est quand même extrêmement pratique ces commentaires PDF pour gagner du temps. Je regarde d'accord les calculs, les styles. Alors petit détail. D'ailleurs je laisse la question ouverte ici. Je vais ouvrir un petit document. Si vous voulez bien ici, je vais prendre ce document. Là, il était où ? Je ne m'y retrouve plus. C'est une catastrophe. Hein. Voilà. Est-ce que je prends, non, c'était pas celui-ci, c'était dans, c'est terrible de pas avoir de mémoire, je vais retrouver ça, laissez-moi quelques instants, pourquoi je le trouve pas, parce que je l'ai mis. Dans tes récents, peut-être, ou dans tes... Non, c'est moi qui j'étais en train de chercher dans le mauvais dossier. Oui, mettre à jour les liens modifiés, très bien. Voilà. Ça, c'était pas très intéressant. Oui, je viens de modifier, vous voyez, j'avais fait un copier-coller un peu rapide. Oui, c'est ça. Ici, c'est un petit détail, et d'ailleurs, je laisse la porte ouverte sur un petit détail, surtout quand on bosse à distance. Ça arrive de temps en temps. Ici, on voit parfois envoyer non pas un PDF, mais un fichier InDesign à l'imprimeur. Ça arrive. Et ça arrive encore beaucoup. Le problème, c'est que parfois, je vais mettre des polices sur mon fichier. C'est ce que j'ai peut-être mis sur cette première page. Et j'ai mis ici une police, qui est une police comme qui marche très bien, la Rigatoni. Et tout le monde m'a dit, mais Rigatoni, c'est une police Adobe Font. Oui, c'est bien une police Adobe. On n'a pas de souci là-dessus. Hein. Et puis moi, je suis Adobe, il n'y a aucun souci. Quand je suis dans une police, voilà, j'ai accès à tout plein de fonts et c'est extrêmement pratique. Sauf que quand je fais un assemblage, la sécurité fait que le fichier ne vient pas forcément. Et des fois,
fois, moi, je me suis retrouvé à ne pas pouvoir. D'ailleurs, j'ouvre la porte à ceux qui peuvent me dire un peu pourquoi ça peut ne peut parfois ne pas fonctionner. Impossible de récupérer la police parce que ceci, cela, et je reviens à... Alors, c'est normal. C'est ce qui est prévu par Adobe, c'est que normalement, la personne qui va réouvrir ce fichier InDesign et travailler dessus, elle a une licence, une design à jour, etc. Et donc, il n'y a pas de problème pour avoir accès à ces polices. Sauf que de temps en temps, ce n'est pas tout à fait le cas parce que, oui. D'accord. Donc, de temps en temps, ce que j'explique souvent, c'est que, attention, concernant ces fichiers, c'est qu'ils me disent, bah non, c'est pas possible, ou puis ça marche pas. Bah non, il faut bien lui expliquer qu'en effet, il faut qu'il ait, en fait, qu'il soit connecté et qu'il récupère la police correctement. C'est des polices officielles, et donc, là-dessus, il faut faire un petit peu attention. C'est que, bah, souvent, il y a des plaintes. Et donc, bah non, non, c'est pas possible. Il fallait que voilà, ces polices-là, si vous êtes connecté, ça marche. Donc, tant pis, si vous êtes en CSI, vous voulez pas vous connecter à Internet, c'est parfait, mais connectez-vous, il y a des solutions, voilà. Mais c'est vrai que ça peut poser un problème. Donc, c'est pas de votre faute, hein. C'est le fait que la police soit protégée, tout simplement. C'est vrai que c'est un vrai sujet en production, mais je remarque en tout cas sur beaucoup beaucoup de bureaux de prod ou autres et qui ça y est, ils ont franchi le cap en fait. Ils ont compris un petit peu Voilà. l'intérêt plutôt que de mettre 100 balles par licence de fonte. C'est ça. Finalement, ils arrivent un petit peu à passer le cap et ils comprennent le concept de licence et de propriété intellectuelle dessus. C'est pas mal, on y vient. Tout à fait. Ça évolue. Je sais pas ça. Je vais finir rapidement sur ce que j'utilise moi aussi sous Bridge, parce que c'est bien pratique ce Bridge. Et j'aurais fait un peu le tour de ce que j'utilise pour gagner un petit peu de temps. Alors, je ne vais pas tout faire, mais le temps nous est compté quand même. Donc, plein de petites choses qui sont extrêmement pratiques. N'oubliez pas que dans Bridge, bah, il y a le fait qu'on puisse rapidement faire des collections. C'est-à-dire que si j'ai pris différentes planètes, ok, très bien, et j'ai pu fabriquement bah, faire une nouvelle collection. Voilà, la nouvelle collection, oui, je vais l'appeler T1, voilà, par exemple. L'autre point qui est intéressant, c'est que dans Bridge, vous pouvez demander à ce que les collections se fassent en fonction des mots-clés. Donc, c'est plutôt pratique. Voilà, je vais avoir des mots-clés qui contiennent machin, ok, très bien. Et donc, il y a plein de choses qui sont assez pratiques au niveau de ces collections. On pourrait filtrer, bien évidemment, en fonction des mots, etc. Donc, c'est ce que j'utilise. J'utilise aussi Bridge pour visualiser bah, mes contenus. Ça tourne super vite, hein. Ça évite de passer beaucoup de temps là-dessus. Donc ça, c'est plutôt pratique. Autre point qui m'intéresse au Bridge, ah oui, c'est ça. Moi, j'adore faire ça quand j'ai besoin, ici, sur des images. Donc, je peux passer en diaporama, bon, certes, mais je peux aussi demander, alors, je fais les raccourcis, je ne sais plus comment je le trouve, c'était donc une sorte de carrousel qui me permet rapidement de choisir des images en les ayant d'une taille plutôt cohérente, en voyant des détails, vous voyez, c'est assez nécessaire, c'est bluffant, et en fait, qui va me permettre de les sélectionner, de les classifier, de mettre une étiquette, un choix. Et donc, bah voilà, c'est assez pratique de pouvoir comme ça, de le rajouter, pourquoi pas, à une collection. Et ça, c'est tout de même pratique. Donc, le raccourci, c'est un pomme B, qui s'appelle le mode vérification. Alors, je ne sais plus où il est. Il y a le mode vérification, vérification. Voilà, il est ici, affichage, mode vérification, et qui permet de contrôler très rapidement des visuels. Outre le fait de pouvoir utiliser bien évidemment des mots-clés, etc. Hein. Moi, je commence à dire que, en effet, voilà, je peux rapidement, je vais classifier des images, j'utilise des mots-clés, bien sûr, tout ça fonctionne, mais voilà, cet effet carrousel qui est extrêmement rapide, qui me permet de pouvoir rapidement identifier les visuels. Et puis, le fait qui est intéressant aussi, hein, c'est que on peut gérer la couleur, on en a parlé tout à l'heure, hein, les paramètres de couleur dans Bridge. Voilà. Donc, c'est une petite fonction que je trouve assez intéressante maintenant. Ouvert sur les suggestions et les questions, en tout cas. Voilà. C'est tellement intéressant que Stéphane vient de proposer, après nous avoir proposé une session sur les compositions de calques, il vient de nous proposer une session sur Bridge et il a eu un Oui. accueil très vif et très chaleureux de nos C'est utilisateurs. un Donc je pense super qu'on outil. aura bien une session sur Bridge très prochainement et très Voilà, c'est certainement ça. donnée par Stéphane. Ouais, Voilà, sur voilà. tout ce qui va être les systèmes de recherche, les classifications, c'est vraiment vraiment, vraiment, vraiment pratique. Enfin, c'est vraiment un outil que je trouve très, très puissant.
Donc voilà, c'est tout. J'ai fait un petit peu le tour de moi, ce que j'utiliserais, de comment j'utilise. Après, c'est une proposition et j'espère qu'au moins ça donne quelques idées à certains, en tout cas. Eh Voilà. ben écoute, je pense que la proposition est appréciée, acceptée. Regarde, je te remets en grand, je me remets en petit derrière, je vais remettre une image qui n'est pas celle du jour, mais c'est pas grave, qui fera la blague en tout cas pour l'instant. Hop, ben merci beaucoup Richard. Merci Merci à tout le d'avoir monde, merci pu à toi. participer à cette session. Merci à tous dans le chat d'avoir été présents avec nous. Donc, comme je vous l'avais dit un petit peu plus tôt, Jean-Loup nous dit le changement de nom global. Oui, on fera une session bridge, rassure-toi, Jean-Loup. Comme je l'avais dit Oui, donc en début de session, bah oui, effectivement. il y a tellement, tellement de Deux points, choses à tellement de faire. sujets à aborder. Qu'effectivement, on risque de. On va manquer de temps, mais on va essayer d'en retrouver très régulièrement. Donc, pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, qui nous ont retrouvés, donc vous savez qu'on est ensemble tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. On est ensemble dès 14h, presque, et on reste ensemble jusque 15h, un petit peu plus, en fonction de ce qu'on a à se raconter. Ça va vous permettre, eh bien, de vous remettre au point sur toutes les applications avec lesquelles vous travaillez. On va essayer de traiter au mieux vos besoins, vos envies, à la fois en production, mais aussi en inspiration. Et quand je vous parle inspiration, donc aujourd'hui, on avait Richard pour vous inspirer sur la cohérence de vos flux de prod. Je reçois donc demain, ce sera Stéphane Baril qui nous fera une petite session autour de une petite session autour d'Adobe Dimension, dans laquelle on pourra voir, eh bien justement, pour tous les graphistes, les illustrateurs qui ont besoin de mettre leur packaging en place, qui ont besoin de traiter un petit peu tout ça. Stéphane nous donnera toutes les clés là-dessus. Nous recevrons jeudi Johan Quintard, Light on Art, qui vous donnera enfin, qui vous expliquera un petit peu sa prod d'illustrateur jusqu'à ses toiles. Voilà, on va avoir vraiment des styles extrêmement différents. On recevra Étienne Mineur, Nicolas Burnage. On va traiter toutes vos applis Creative Cloud les unes après les autres. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous pourrez participer avec nous. Et je redis encore un grand merci à Richard. Merci beaucoup de Merci nous à avoir vous, merci à accompagnés. toi, merci à Merci tout le pour tous monde. ces trucs et astuces. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.